Bonjour, alors on est devant le rectorat de Toulouse et je suis avec Sylvie. Bonjour Sylvie. Alors Sylvie, qu'est-ce qu'on fait là? On est là pour manifester pour le recrutement de la liste complémentaire de l'Académie de Toulouse puisqu'il reste encore 46 personnes qui n'ont pas eu de poste cette année et qu'il y a des classes qui manquent d'enseignants. Alors, c'est 46 personnes qui souhaitent être professeurs des écoles, c'est ça? Donc, toi, par exemple, avec tes collègues, t'as passé le concours, oui. Mais tu l'as pas eu puisqu'il y a un nombre restreint de places au concours. Ça se joue pas sur la moyenne ou le niveau que vous avez, c'est le nombre de places. Et toi, par exemple, moi, je suis à 12,33. Et le dernier, il avait 12,88. Donc, vous voyez, ça se joue vraiment à rien du tout. Et là, vous êtes 46 dans ce cas à être sur ce qu'on appelle une liste complémentaire. Qui n'ont qu'une envie, c'est être devant les classes avec les pitchouns. Et le grand paradoxe, c'est que dans l'Académie de Toulouse, la dernière estimation, elle dit qu'il y a combien de manques d'enseignants? Environ 130 classes sans professeurs cette année. Voilà, donc on va se retrouver toujours avec les mêmes problèmes qu'on a eu l'année passée, les non-remplacements d'enseignants, les classes sans enseignants pendant une partie de l'année, alors qu'on a 46 personnes ici qui demandent qu'une chose, c'est pouvoir faire le travail et le métier. Et ça rassurait à la fois les pitchouns et les parents d'élèves. Donc on est de tout cœur avec toi Sylvie et tes collègues. Et on espère que le rectorat va débloquer la situation.